Le rêve éternel est né sur les ailes de la lumière sans âge qui déchire le voile de la vague et traverse le temps, en tissant les trames incessantes de l'être. Le mystère demeure entier. La signification du pèlerinage, l'aventure sans fin de l'existence, dont la course dans le ciel brûle en d'innombrables cercles, jusqu'à ce qu'enfin, la connaissance s'extrait des ténèbres dans l'infinité de l'esprit des hommes, et dans cette lumière tamisée, elle perce en silence la brume pour donner à voir la vision de la vie et de l'amour émergeant du tumulte, de la douleur et de la joie. Il y a trois chemins qui mènent à la vérité. Le premier est celui de la conscience. Le deuxième, celui de la nature. Le troisième est celui de l'expérience accumulée par les générations passées et qui nous est donnée en partage sous la forme des grands chefs-d'œuvre jalonnant l'histoire. De tout temps, l'homme et l'humanité ont suivi ces trois chemins. Le premier chemin vers la vérité, le chemin de la conscience, est celui qu'ont suivi les grands mystiques. Ceux-là considèrent que la conscience est, de toutes les réalités, celle qui nous est la plus proche, la clé de l'univers. C'est quelque chose qui est en nous, qui est nous. Au travers des âges, les mystiques ont découvert que les lois de la conscience humaine s'ordonnent autour de quelque chose qui est absent des règles gouvernant l'univers matériel. Il existe dans notre conscience une espèce d'unité dynamique. L'un y est en même temps multiple. Notre conscience peut être simultanément occupée par des pensées, des idées, des associations, des images, des réminiscences et des intuitions diverses, pendant certaines fractions de minutes et même de secondes. Et pourtant, cette multiplicité constitue encore une seule unité dynamique. C'est pourquoi les lois mathématiques qui sont valides dans l'univers matériel et qui en permettent l'intelligence ne sont pas applicables dans le domaine de la conscience, où deux et deux ne font pas forcément quatre. Les mystiques ont aussi découvert que les mesures de l'espace, du temps et du poids, universellement valides dans l'univers naturel et matériel, ne sont pas applicables à la conscience, ou parfois, quelques secondes peuvent paraître durer des heures, et des heures, une minute. Notre conscience ne se situe pas dans l'espace, et ne peut donc être mesurée en termes spatiaux. Elle a son propre temps, c'est-à-dire qu'elle est le plus souvent intemporelle, et les divisions temporelles ne s'appliquent pas à la vérité à laquelle mène ce chemin. Les grands mystiques ont découvert que la conscience humaine, outre qu'elle est pour nous la réalité la plus immédiate et la plus affine, est en même temps la plus proche de nos sources d'énergie, d'harmonie et de connaissance. C'est le chemin à la vérité, menant à et passant par la conscience, qui a produit à travers les âges
les grands enseignements, les grandes intuitions et les chefs-d'œuvre de l'humanité. Tel est donc le premier chemin menant à la vérité, la première source de vérité, telle que les traditions esséniennes l'ont compris et interprété. Malheureusement, les intuitions géniales des grands maîtres perdent souvent de leur vitalité avec le passage des générations. Elles sont modifiées, déformées, travesties en dogmes, et trop souvent, les valeurs dont elles sont porteuses se figent dans des institutions ou des hiérarchies figées. Le sable du temps érode les intuitions pures, et parfois, il revient à des chercheurs éclairés, capables d'en pénétrer l'essence, de les faire ressurgir. Un autre danger guette les voyageurs engagés sur ce chemin à la vérité, le chemin de la conscience, c'est celui de l'excès. Ils en arrivent à croire qu'il s'agit là de l'unique voie à la vérité et à négliger toutes les autres. En outre, très souvent, ils appliquent les lois spécifiquement applicables à la conscience humaine, à l'univers matériel, où elles sont dépourvues de valeur et ignorent les lois propres à cet univers. Le mystique se crée souvent un univers artificiel, de plus en plus éloigné de la réalité, et finit par s'enfermer dans une tour d'ivoire, sans plus aucun contact avec la réalité et avec la vie.